Eh bien, ça à tous, c'est Dodo Info. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas, ça va très bien. On est le 1er janvier, c'est la première vidéo de cette année, donc je vous propose d'atteindre les 200 likes avant février. Et pour commencer cette nouvelle année ensemble, on va commencer par découvrir le micro vidéo mic de chez Rode. Donc sur la face arrière, on retrouve le bouton qui permet d'éteindre ou d'allumer le micro. Ce micro marche à pile, donc il faut une pile rectangulaire. Pour la prise de jack, c'est comme les écouteurs de vos smartphones, c'est un connecteur 3,5 mm. Donc ce micro est doté d'une base rigide qui permet d'isoler les vibrations, donc c'est pas mal si vous faites des vlogs ou faites des mouvements assez brusques, ça isolera les vibrations. Donc en dessous de ce micro, on a un sabot intégré, donc ça permet de fixer votre micro sur une caméra, par exemple de chez Canon, un 100D, un 700D ou une 1000D. Donc vous fixez votre micro et après une fois qu'il est fixé, vous tournez le petit pas de vis qui est sur le sabot et comme ça, votre micro sera serré avec votre Canon. Donc avec ce micro, on a l'antipop qui est vendu avec, donc l'antipop c'est la mousse noire qui est autour du micro, donc ça permet de ne pas entendre les soufflements quand vous parlez dans le micro. Donc ce micro enregistre presque en 360 degrés. Pourquoi je dis presque? Parce que si vous êtes éloigné du micro, ça ne va pas enregistrer en 360 degrés. Par contre, si vous êtes près du micro et qu'il y a plein de potes autour du micro qui parlent, et bien votre micro va capter tous les sons qui sont autour du micro. Donc ouais, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, ce n'est pas un partenariat avec une marque, donc je ne suis pas payé pour faire cette vidéo sur ce produit-là. Ce produit de chez Rode, le Vidomac, est dans les alentours de 95 € sur la Fnac, donc il y aura le lien dans la description. Encore une fois, si vous ne souhaitez pas l'acheter chez la Fnac, vous pouvez bien sûr prendre la référence et l'acheter dans un autre magasin, ça c'est vous qui voyez. Et je vous le rappelle, il faut atteindre les 200 likes avant février, vraiment faites-le, comme ça me prouvera qu'il y a des gens qui me suivent sur la chaîne YouTube et ça me prouvera que je pourrai organiser des concours qui serviront et que je ne ferai pas des concours qui ne servent à rien. Sur ce, les amis, passez une très bonne début d'année 2017, j'espère que cette chaîne YouTube évoluera de plus en plus en 2017, ça je l'espère. En tout cas, les amis, eh bien, je vais vous laisser là. Moi, je vais vous quitter. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager cette vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, les amis. Et je vous dis salut.